Ça vous dirait pas qu'on débranche notre cerveau des médias et des ordinateurs? Comme ça, on se couperait de ce qui alimente la peur, on éviterait de dérégler notre métabolisme et on sera en bonne santé. À la place, on pourrait être créatif, bien joueur, ou peut-être même inventif. Ou alors romantique. Et si tout ça c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez toujours apprendre à méditer ou à vous relaxer. Parce qu'il faut savoir que la méditation et la relaxation, ça permet de détendre les muscles, de relâcher son système nerveux, de ralentir son rythme cardiaque, de reposer les organes internes, de stimuler son système immunitaire et de ne pas tomber malade, de se concentrer, de vivre le moment présent, d'équilibrer vos émotions, d'avoir plus de patience et d'améliorer vos relations aux autres. Kevin, viens par ici! Et si c'est compliqué de faire des méditations ou des relaxations en famille, vous pouvez toujours le faire avec vos enfants. Viens, ferme les yeux. Continue à respirer, prends trois grandes inspirations et expirations et laisse-toi te détendre et t'envoler.